Bonjour et bienvenue à Telecom World 2019, ici à Budapest, en Hongrie. Et j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec M. Eli Etiago Ungwe, qui est le directeur général de BBS. Bonjour et bienvenue au studio. Bonjour. Je voudrais vous commencer par vous demander, peut-être vous pouvez me parler un petit peu de BBS. Qu'est-ce que BBS, son rôle dans la transformation digitale de Burundi? Bon, c'est un plaisir énorme de retrouver cette année encore, comme l'année passée à Durban, Afrique du Sud, l'ITU. Comme vous le savez, BBS, c'est Burundi Backbone System. C'est l'opérateur d'infrastructure qui a construit et qui exploite la dorsale nationale à fibre optique. Aujourd'hui, BBS a participé énormément dans la transformation numérique de notre pays, surtout avec l'interconnexion de toutes les institutions publiques, toutes les universités, toutes les banques. Nous avons aussi connecté, on commence à connecter les zones rurales avec la connectivité des zones les plus éloignées. Et quelles sont votre priorités principales pour l'avenir pour BBS? Nos priorités pour l'avenir aujourd'hui, c'est de toucher tout le public burundais, c'est-à-dire aller offrir des services numériques et modernes, surtout dans des endroits les plus reculés du pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir la connectivité à tous les opérateurs de télécommunications qui, au niveau national, nous avons une couverture d'environ 100% avec la 3G et 86% avec la 4G. Et en principe, pour encourager la connectivité, pouvez-vous nous parler de l'importance des partenariats publics et privés? BBS a été créé dans le cadre justement du partenariat public et privé. Il s'agissait des opérateurs de télécommunications privées avec le gouvernement du Burundi. Ça a été une bonne réussite. D'ailleurs, ça suffit un des premiers PPP qui a bien fonctionné en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Je pense que même dans d'autres secteurs de la vie numérique d'un pays, il faut vraiment des partenariats publics et privés. De votre côté, pourquoi est-ce que vous pensez que la connectivité est importante? La connectivité est importante puisque ça permet d'offrir des services à tout le monde d'une manière ultra rapide, d'être informé, mais aussi ça permet d'améliorer les modes de fonctionnement, les modes de vie des gens, mais ça aide aussi à la contribution de la bonne gouvernance. Et aussi, je voudrais vous demander votre présence ici à Telecom World 2019 à Budapest, en Hongrie. Vous êtes venu de loin. Pourquoi est-ce que c'est important d'assister à cette conférence pour vous? C'est important puisque l'ITU, à chaque année, nous offre des opportunités de rencontrer d'autres partenaires, d'échanger avec d'autres institutions, de voir où le monde va et quel sera le monde de demain. Donc, c'est un plaisir énorme pour au BBS en particulier, mais aussi au Burundi en général, d'être à l'ITU cette année. Merci bien. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre présence ici dans le studio et je vous souhaite une très bonne continuation ici à Telecom World 2019. Et j'espère de vous revoir dans le studio dans peut-être une autre conférence ici de ITU. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions beaucoup. Merci.